Nous contactons nous encore une fois, mesdames et messieurs, sous TV lakayhaiti.com, dans la deuxième vidéo ça. Et bien, après un petit temps, avant même nous entrer plus loin, plus fond, en dans la vidéo, et bien, pour nous remercier tous les amis, nous, compatriotes, nous, supporter canal ça, quel que soit côté où il y a dans le mode ça, et qui pas jamais, et bien, suspendre, suivre nous, et nous dire merci pour fidélité, et merci. Le fait que vous toujours quittez un commentaire et un like sur chaque vidéo nous poste. Information chaud, eh bien, dossier Lambert, dossier Yuya là, et donc ce n'est pas un dossier qui pitié du tout. Et je dis là, Joseph Lambert, monsieur fait gros déclaration et monsieur même sermenté. Eh bien, Yuri la tortue à Joseph Lambert qui les met tête ensemble là pour négio fouer pied. Donc il a dit fait là pour négio connait raison qui fait pays Canada lui-même avec États-Unis pour un gros sanction ça à côté. Eh bien, ancien sénateur Yuri la tortue avec actuel président Sénat Joseph Lambert, il a accusé nèg ça dans question financer gang, financer vol dans pays, a financer mauvais actes cap fait et négio même qui fait connait pas jamais mêlé dans bagaille ça. En tout cas, gen koze, gen Stanley Lucas là, nous connaît toujours gen dossier yo. Et bien monsieur là, monsieur frappé fort et monsieur mette en pile gros dossier dehors que nous pral inviter ou tande et ou pral saisir tande comment blanc lui-même. Donc il gagne et boulon tout nèg là ou k'a prouvé koyo dans pays a k'a financer gang là, k'a financer insécurité a comblant décidé et bien la mette nèg yo en bacode et Stanley Lucas qui lui-même trouvé décision ça, c'est pas une décision qui vraiment et t'a qu'a fait que moun sauter parce que moun qui et pour ta en bacode yo et c'est oligarque yo gros bourgeois k'a financer bandi yo. Et bien Canada qui lui-même avec États-Unis dit le couper visa oui avec Joseph Lambert, donc ti couper visa ça pas rien mais c'est plutôt la gros mesure pour et bien blanc lui-même il prend une façon pour négo même qu'à changer comportement pour négo suspendre et donc augmenter insécurité à dans pays a et négo qui pral investir en République Dominicaine alors que la caillou il y a armé gang en façon pour payer pas jambe gain sécurité pour faire plus l'argent et puis al investir l'autre côté. Nous allons inviter au gain tout détail en dans vidéo ça. Restez connecté, bon écoute tout le monde. N'a tourné. Traverser et lui demander concertation, lui demander une prise de conscience pour tout acteur et définitivement et joindre une solution pour peut-être traîner pays à non incertitude que personne monde pas connaît qui ça le cabaye. Parce que je dis à ça qui est important, je ne pas croire que c'est un autre pays qui pour après appeler nous à l'ordre. Je ne pas croire que c'est un autre pays qui doit montrer qu'il est plus sensible pour Haïti. C'est nous-mêmes. Et ça qui passe en Haïti, j'aime toujours dire là. Il y a un pile de là-dedans, il y a un pile de monde qui répond ça, chaos qui en Haïti. Et moi, je crois que l'essentiel, c'est un effort conjoint qui pour faire pour permettre que nous sortions là-dedans. Et si nous-mêmes, comme Haïti, si nous pas entendre nous pour résoudre le problème, non, je ne sais pas quoi l'autre pays a résolu pour nous. Parce que pas oublier, l'international, sous l'échiquier international, là, c'est question d'intérêt qui a parlé, qui a défendu. Ça veut dire chaque monde a défendu l'intérêt. Et nous, ouais, accusation, il y a contre deux responsables, sénateur Joseph Lambert, ancien sénateur Yuri La Tortue, qui ont compris l'accélération États-Unis à Canada, mettez dans le dossier ça pour sanctionner deux autorités. Bon, je ne veux pas répondre en place ni les États-Unis ni le Canada. Mais ce qui est fondamental, je pense que la décision ça, il doit motiver. Il doit motiver et il doit gagner des enquêtes qui sont faites sur. Mais en passant, il faut que les pays soient libres pour prendre des décisions contre des gens qui, pour une raison ou pour l'autre, est-ce que je sens en confiance avec les gens? Est-ce que politiquement, ça va mener l'aller dans la ligne paio qui est différent, qui gagne. Ça veut dire chaque pays a une liberté, une souveraineté pour prendre des décisions contre les citoyens à travers le monde pour trouver pour eux-mêmes qui soient incompatibles avec eux ou bien pour si vous avez suivant enquête, chose, ensemble de bagailles, suivant la loi, la caillou, vous pouvez prendre des décisions. Mais moi-même, comme citoyen haïtien, ce n'est pas l'État haïtien ou bien la législation haïtienne qui
une sanction, on pas expliquer. Gen journaliste Assad Volsi qui lui-même tout li wè li tombé en bas en sanction, yo coupé visa pendant li rive États-Unis, yo voye le tourner en Haïti. Li dit yo poser le question sous des leaders politiques, des responsables politiques parmi yo ou même. Qui ça ça dit? En tant que acteur politique en tant que monde qui fait politique dans le pays, et probablement dans n'importe quel dialogue, dans n'importe qui circonstance, non capable citer, mais qu'on y a c'est dans qui sens, c'est à qui intérêt et pour qui ça et pour qui motif, et c'est ça qui est fondamental. Et puis l'information qui dit au coupé visa ou bien sous résidence sanction ou tomber en bas sanction, moi-même pas, c'est pas préoccupation pas pour nous, et ça pas préoccupation, et question visa, question résidence, question bah on connaît, moi-même toujours dit ça, moi bon un seul pays qui est Haïti, et un monde qui zami Haïti ou zami ou pas zami Haïti ou pas zami, ça veut dire motivation pas c'est Haïti, et c'est ça que j'aime toujours dire, chaque monde yo gen intérêt pour yo construire pays a, parce qu'on pas un autre pays, on pas un pays de recherche, ça il pas fait partie des préoccupations. Parce que pas un monde qui même intéressé voyager, parce que pas voyager souvent, voyager peut-être les par exemple mon nécessité pour voyager ou bien en mission, et moi-même moi pense que moi toujours prêt pour collaborer et dans cadre intérêt Haïti avec tout l'autre pays, et c'est pas préoccupation pas dans moment ça bah ni contacter et ni ça pas fait partie des préoccupations. Bon, et en général en politique, et faut toujours garder aspect global là pour qu'à comprendre une série d'actions particulières. Parce que les gens doivent essayer de mettre poussière dans le genou pour n'oublier l'essentiel. Et faut pas oublier que c'est peut-être coopération nous avec blanc. Il y a des gens qui blanc servi avec lui pour aller touiller président nous le 7 juillet 2021. Donc, pour moi-même, en tant qu'haïtien, et pour peuple haïtien, il y a deux dossiers qui sont importants. Qui blanc qui participait dans tout le président Jovenel Moïse? Qui oligarque, qui politicien qui participait dans tout le président Jovenel Moïse? Pour qui ça a servi avec une coopération de sécurité avec Zié? Il a trompé vigilance, force de sécurité pays nous, et fait Colombien vient touiller président Lacaille. Jusqu'à présent, pour qu'on réponse pour ça. Mais il a dit qu'on rapport FBI qui t'a sorti, rapport va jamais sortir. À qui est-ce que n'a coopéré un premier ministre qui est impliqué dans touiller président? À qui est-ce qu'a coopéré oligarque qui est responsable de sécurité en dedans pays? Donc, pour moi-même, deux dossiers qui sont plus importants pour le pays, c'est qui est-ce qui touille président nous? Pour ça n'est yo pas ban nous blanc qui impliqué dans tout le président. Deuxième dossier qui est important pour nous, c'est dossier insécurité a. Faut blanc pas prendre haïtien pour égarer. Car insécurité a dans pays d'Haïti, il y a 4 étages. Premier étage là, c'est gang yo. Deuxième étage là, il y a 4 catégories moun là-dedans, officiel dans le gouvernement, leader politique, juge, commissaire gouvernement, avec même CSPJ qui a plagué gang pour cob avec ancien parlementaire. Dans troisième étage insécurité a ou gain diplomate corrompu, ancien président avec oligarque. Dans quatrième étage là, ou gain blanc qui fait partie de élite globaliste corrompu qui voulait venir voler ça nous gain dans pays d'Haïti en bataille pays d'Haïti. Avec blanc racistio qui veut établir système d'exploitation esclavagiste là. Blanc bien connaît que l'op goumè contre insécurité, c'est pas tête là qu'on commence. Il est blanc frappé Oussama Ben Laden. Blanc frappé Kassim Soleimani. Blanc frappé Al-Baghdadi. Qui vient fait que depuis 16 mois, blanc passe nous dans bêtise libable. Et moi, aucun n'a oligarque qui s'est sous insécurité dans le pays. Faut les gens suspendre passer nous dans bêtise même.
qui j'en fait blanc pour qu'on révoque Madame Alim, qui présidait en catastrophe dans le pays d'Haïti, c'est sous gel que le président nous a assassiné. Pour ça, Madame Alim n'a figé nous toujours. Blanc, passez-nous dans la bêtise, même. Ça veut dire que c'est une diversion qu'a fait là. C'est ça pour mon nom. Voilà. Vous y avez un énergie, nous, mon cher, et si vous avez par l'école qui comprend que vous avez fait là. Comme si vous avez cherché en sécurité, c'est Yuri Alambert qui vous avez avant. Mon cher, vous n'avez pas regardé, ouais. Vous avez un problème à Yuri, vous avez un problème à Alambert. Nous avons discuté problème, nous avons résolu. Mais pas aucun blanc qui a humilié un président Sénat pays, qui a humilié un ancien président Sénat pays. C'est vrai, il y a un problème à Negio, mais soit combattre l'insécurité à tout bon. Premier monde pour moi, c'est Oligakio. Avec Blanc, qui fait partie de l'élite globaliste corrompue, qui a financé l'instabilité politique dans le pays d'Haïti pour mettre le gouvernement en transition pour venir voler ça nous en bas le pays d'Haïti. Faut Blanc va prendre nous pour égarer, même. Donc, ça n'est qu'on y a là, bon, c'est sûr, c'était nos commentaires seraient plus clairs. Et qu'on y a là, qui action que nous avons fait là? Parce qu'on va regarder aujourd'hui là, on va dire hier. Et devant bureau premier ministre, nous même Canada, nous t'es campé à demander, à faire des revendications. Mais qui ça que t'as dû poursuivre? Premier côté, pour commencer à marrer Canada, c'est blanc globaliste corrompu canadien qui a mis l'instabilité politique dans le pays d'Haïti pour jouer un contrat minier. Mais que t'es fait dernier contrat corrompu minier en 2012, côté n'est que t'as volé 70% l'or qu'on battait dans le pays d'Haïti, une namine l'or que nous gagnons, c'est dans le nord-est là. Son lot 24 carats qui vaut 30 milliards de dollars américains, c'est blanc globaliste corrompu Canada, qui derrière instabilité politique dans le pays d'Haïti. Sénat a révoqué tout contrat minier ça, non résolution qui te prend en 2013. Depuis le ça, blanc corrompu Canada finance instabilité politique dans le pays d'Haïti. Pour qu'ils aient beaucoup marre de blanc ça. Pourquoi les gosses se font passer mon bêtise dans demain? Ça veut dire qu'il faut nous continuer à mobiliser, puis red, mesdames, messieurs. Continuer à action jusqu'à ce que le résultat tombe. Mais est-ce que le résultat ça va bien tomber tout? Puisque nous essayons même quoi protéger et pareil yo et Sandy. Est-ce qu'il y a bien de faire? Puisqu'il n'a été réel. Bon, bagay, regardez. Haïti, si un document avec tout l'autre pays dans la zone qui relève la charte démocratique régionale. Okay. Les nègres touillés blancs ont participé dans tout le président Lacaille. Et nous, 58e président, le 7 juillet 2021, il y a eu interruption de la charte démocratique. Ni Canada, ni les États-Unis, pas mandé application de la charte démocratique. Pour qui ça? Est-ce que c'est pour protéger blanc qui participe dans tous les présidents? Faut n'est-ce pas prendre nous pour égarer, men. Nous avons un monde dans la société, nous avons un problème avec eux, nous avons résolu entre nous. Mais question blanc, vin passer nous dans la bêtise, vous avez poussé dans genou, même pas prendre ça, men. On va les mains aux oligarques, et puis c'est une aigle noire également, men. Et même bagaille n'a pas été président Jovenel Moïse, oui. Mais je mettais Dimitri en bas côte, je mettais la guerre civile en bas côte, et puis tout oligarque qui n'a tout le président, il y a une boucle en bas côte, et puis c'est la caille négio, caille blanc, oui. Faut négio si ce qu'on passe, nous, dans la bêtise, oui, mais. Mais en même temps, Stanley, je dis à là, est-ce que M. Sayo qui t'a travaillé pour le système, ça, pour soi-disant blanc Sayo, est-ce que vous n'avez pas d'abri commencé à prendre conscience? Pour comprendre que je dis à nos groupes. Ouais, ça qu'a fait là, nan Bayou, y'a Lambert là, son guerre des clans qui gagne. Son guerre de clans. Elle dit que gagne blanc, qui gagne blanc, cap goumé pour Ariel, gagne blanc, cap goumé pour Fujian, gagne blanc, cap goumé pour Liga qui a Mateli. Et puis, nan mi-temps, blanc ça a eu, gagne cap faufilé non par en bas. Ok? C'est bon, j'en bas. Si nèg yo te vle sanctionné tout bon mon cher. Nèg yo pa ta pa vin passer moun nan bêtise là. Nèg yo konnen ke si gen sanction ki pou bay, c'est 16 catégories que le doyé. OK. Ki j'en fait que nèg yo pa ki ke sanction contre 16 catégories moun que yo ta doit appliquer contre yo. Comme si nèg yo pa konnen ke si a pas appliquer sanction, c'est 16 catégories de moun qui doit tomber en bas sanction yo. Oligak yo gen 15. Oui, ça, il y a une oligarque qui est commune. Ancien président qui n'a gagné trois. Oui, ça, il y a un peu officiel qui n'a gouvernement qui l'a, qui n'a gagné 13. Sénateur en fonction, il y a trois.
ancien parlementaire qui a 17, même CSPJ, juge, avec commissaire gouvernement qui a plagué gang pour cob ou bien qui a protégé ou qui a trendé. Commissaire la police qui a coordonné Action Fantôme 509, une organisation criminelle qui a 4 policiers qui n'ont gagné 150 et 200. Leader politique qui n'a gagné 8, chef gang yo gen 53. Nèg nan coup d'état contre Capoe gang gen 2. Droits humains qui n'a gagné 3. Journaliste qui n'a gagné 4. Lobbyiste blanc qui a défendu gang nan Washington par en bas gen 2. L'église qui n'a gagné 20. Blanc corrompu lobbyiste yo. Qui besoin de voler ça nous gen en batte avec blanc raciste. Capoe instabilité. Des autres dans le pays d'Haïti gen 10. Cher. Ça n'est que faire là, son si magri, tandis même, poussière, blague, nage. Voilà, voilà. Et puis en même temps, tout, je pense que nous allons. Diversion, même. Nous ne pouvons pas même retourner sur la question yon intervention militaire. Eh bien, nous, justement, ça n'est, c'est dans le même cadre là pour nous comprendre que c'est yon-même, c'est ça, à chercher même. Intervention militaire, qui pour des intervention militaire de help, il n'y a besoin d'aucune intervention militaire. D'ailleurs, on regarde gens la police. Avec soldats canadiens prêté moun noir au Canada. Si c'est comme ça prêté moun noir au Canada, qui ça vient faire Haïti même? Ou vidéo. Donc nous comprenons hein, jusqu'à maintenant, c'est ça qui n'a pas le là, c'est protection, c'est façon qui a protégé groupe Oliga et oui, il prend à peu près Andy, il prend Yuri puis il prend et Joseph Lambert, mais ça pourquoi action ça, nous toujours dire. En nous prudent et puis faut nous continuer avec l'action. Les nabs du jeu, nous pas avoir les gens débattre ça ou parfois, nous pas c'est son problème que nous gagne. Voilà. Ok, Stanley, ne t'as pas essayé ajouter Salomon Souleyman, mais malheureusement, nous, ouais, que bon, ça passe pas. Oui. Donc, oui, Stanley, en nous avancer pour que nous comprenne bien. Et question sanction, ça, c'est jouette. Et, mais en même temps, nous même faut nous poser des actions. C'est surtout qui ça que nous devons faire là. Faut nous poursuivre avec motivation, avec mobilisation. Yo. Bon, côté nous t'as parlé à ces interventions militaires, ok. Haïti pas besoin aucune intervention militaire blanc raciste dans le pays non, ok. Nèg yo allé Kosovo, yo battion l'armée Kosovo. Blanc yo allé en Irak, yo battion l'armée en Irak. Blanc yo allé maintenant, via Afghanistan, yo battion l'armée Afghanistan. Non seulement nèg yo refuse bâti l'armée qui nan constitution nou, nèg yo refuse bay ni l'armée ni la police nou zam. Pour qui ça? Pas gen 2 semaines de ça. Président République Dominicaine, Abinader, dit la commande des armes à équipement pour l'armée, l'île qui est en joigne yo. On l'armée qui fait génocide sous nous. Il y a balisam. Et puis nous-mêmes, autant de colonels là, mais nous qui dit depuis au bal l'armée à zam, ti gang ça yo là, il y a crasé sans problème. Pour qui ça nèg yo refuser bal l'armée nous zam, nèg yo vle kembe nous vulnérables. Donc faut haïtien intelligent men. Donc si blanc a besoin, après ça blanc vinn faire nous nan tuer président nous men, propose di et pour vinn tuer président la caille nous. Si nèg yo vle aide nous, c'est pas intervention militaire men. C'est zam pou yo bay l'armée à la police. Et jounen jodi a, peut-être ça gon sentiment anti-blanc dans pays a. Si nèg yo comprenne soldat a descend comme ça, moi m'gétan fait simulation. Nous sont spécialistes en développement politique kemye. C'est la première fois depuis 1928-1930 de Charlemagne Péral, c'est pour la première fois soldat blanc pral pran katouche en Haïti men. Mais ça n'est bon côté présent. Accusation ça yo nous yo quand même parlé de trafic de drogue pour Yuri la Tortue et Joseph Lambert. Regardez, gomba yo le due process en anglais, OK? Gè sa yo les procédures régulières. Non ka pa nous, yo t'a arrêté un président Sénat nous qui est Fouel Célestin. Yo te jugé le Miami, yo te montré preuve yo te prend des actions. Là ou pas ka arrêté parce que gen des clans politiques kap goumen nan Washington et puis chaque clan bay ti non pas en bas et puis pas gen procédure régulière. L'obéissance, l'argent bay en bas. C'est ça. Mate li gon gros
undersecretary, un ancien undersecretary pour affaires politiques qui a fait lobby pour lui. Donc, il n'y a pas vraiment un matin. Vous entendez, mesdames, messieurs? Et puis, c'est monde qui a parlé de corruption. Et oligarque, il y a un gros lobby sur Washington, il n'y a pas vraiment un. Il n'y a pas comme ça, même. De vous gen zami bo ici, ou gen connexion bo ici, a pas gen karivo, non pas ka kon sa men. Wow. Nous même haïtiens, nous connaît ki insécurité a gen 16 catégories la dedans sous ba ou yo. Voilà. Ça nèg yap tann pou mwen 15 oligak yo. Nous pas égaré frère. Mais en tout cas, c'est sûr et certain, bagay yo quand même beaucoup plus grave qu'il n'était capable de comprendre, et, mesdames, messieurs. Mais est-ce que j'ose dire là, yon moun tankou Joseph Lambert, yon moun tankou Yuri, après toute accusation ça, est-ce que yon même, yon pas d'a dû sortir dans le silencio, yon pas d'a dû commencer à parler, dénoncer le complot ça, qui est pas logique. Gardez, moi-même, gardez. C'est deux présidents américains qui fèm vin développer un intérêt dans la politique américaine, les jeunes, de gen ki sa. Et 17, 18 ans, et 19 ans à peu près. C'est président Carter avec président Reagan. Deux présidents américains sa ou vin fait m'intéresser à la politique américaine à cause de position ou te gen sous démocratie. Et ça fait démocratie à son bay, vin travail là-dedans, tellement que bay sa a te vin gon influence sou men. Ça fait là pas fait selon les procédures régulières. C'est clan politique qui a gommé Washington, qui a pris décision sous Yodi. Il n'y a pas eu de procédure judiciaire. C'est le président du Sénat de mon pays. C'est le président du Sénat de mon pays. M'a dit Lambert coupable ou bien Lambert innocent. Non, il pas ça m'a dit là, amen. Il pas ça m'a dit là. Mais que demain matin, si m'a pas arrêté mon président Sénat aux États-Unis, m'a pas juste sorti un communiqué, m'a dit, ah, m'si t'es dans le drogue. Non, mon cher. Mais même il y a des procédures à suivre. Ça fait à peu près une semaine, deux semaines, yo même yo te dit qu'on loi, la caillou qui pas rien doit dévoiler, non. Yo moun, qui a dit. Gardez, bon, j'en bagay, men. Le nèg yo a sanctionné oligarques, yo. Nous pas de joindre tout nan yo la même. Voilà. Qui j'en fait dans le pays d'Haïti jusqu'à présent, beaucoup joindre aucun nom. D'oligarques qui ont sanctionné. Quand il s'agit des blancs de l'Ukraine, il y a eu un nom tout oligarques. Oligarques pays d'Haïti qui tuent président, nous qui mettent gang en dedans pays. Après, ça n'est pas refusément un oligarque. Il y a 15. Ouais, nous même si nous sommes, il faut lever bonnet et nous ne pas prendre un coup. Même si nous sommes, 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 et c'est la injustice là. Bon, Jean pour bagaille, yo fait. Mais en tout cas, moi j'espère que M. Sario, yo même tout, il va commencer à prendre conscience que international là, c'est utilisé, yo tap, utilisé, yo, le fin utilisé, yo jete yo. Moi j'espère que ça observe yo leçon quand même, et sans le faut que yo comprenne ça tout. Je veux dire là, pour yo mettre yo beaucoup de pays, il est le temps pour yo camper pour Haïti. Ça, c'est son grand leçon quand même dans ça. Nous même qui a fait politique, monsieur, s'il vous plaît, prenez note. Gardez ça qui a passé là. Gardez comment il a jeté yo, ou même pas entrer là-dedans. Monsieur, on a l'air. Eh bien, si vous n'avez pas besoin d'informations, eh bien, nous sommes là, décision qui prend d'un côté les États-Unis et justement le Canada, qui a fait mise en accusation les sénateurs Joseph Lambert et Yuri Latortu. Et il a parlé de Joseph Lambert qui lui-même parlait là, Dimi. Et gagner également Assad Volpi qui lui-même parlait, qui justement fait état comment que justement autorité migratoire américaine qui était questionnée, et bien à ce sujet, Joseph Lambert qui déclarait, mesdames, messieurs, qui peut mettre comme soulier dans pied, là justement, impliqué un bandit d'avocats pour qu'on va défendre ensemble avec Yuri Latortu. Joseph Lambert lancé un appel, donc c'est justement tout le monde qui remédie, mesdames, messieurs, pour ta collecter au fond, pour que vous puissiez payer ma vie d'avocat, que vous puissiez être impliqué sous peu devant, pour qu'on puisse défendre justement devant les autorités, justement judiciaires des États-Unis et du Canada. Eh bien, nos informations, mesdames, messieurs, et pour faire suite avec justement l'actualité, il y a le fils de l'actuel président du Sénat, Joseph Lambert, qui t'a déjà rapatrié dans le pays, n'a pas eu
manque dans l'opinion publique. Dans le moment où on a parlé là, tout côté dans le pays d'Haïti, on a opiné des décisions ça et en fil monde tout uni, ça bravo pour cette décision. Est-ce que nous sommes dire, mesdames, messieurs, pendant ce temps, nous connaissons les États-Unis, pas de gens en faveur nous en Haïti, est-ce que pendant que vous faites décision, pour sanctionner Guy Latondu et Joseph Lambert, est-ce que ça veut dire qu'il y aurait pour autant? Ensemble, comment dire ça va bien pour faire, mesdames, messieurs, dans l'édition des formations qui là, pendant que nous allons gagner justement, et pendant ce temps, nous allons gagner, j'ai comme invité. Nous allons comme invité une femme délicate qui parle justement d'opinion sur ces actualités par rapport à façon à dominer là, et suite avec justement décision, tout ensemble sur le point avec le Canada, comme quoi justement il a agi pour mettre fin avec le monde qui si a des gens en Haïti, salon. Eh bien, nous avons dit à Lionel, pour tout dire là par rapport avec Joseph Lambert avec le sénateur Louis Latortue, il a même barré la sortie mal pour eux et il a été une carrière politique militaire. Donc, il a été une carrière politique militaire. Si on est content, on dit qu'en Haïti, il a même tout dit, il a même recommencé, il a même dit qu'il a été là, parce que tant tellement il a comme service d'ailleurs, il a beau écrit sur base, il a écrit sur le bord, et bien, il a tout bloqué conscience. Mais ce que Lionel se dit là, Emmanuel Joseph Lambert, il n'y a pas de côté pas lui demander de soutien partisan, c'est partisan, mais il pour comment il est capable d'aider, je n'ai pas de avocat pour qu'il aide le pays. Ou non, Sénat, ou pas, Jean, et ou pas, c'est député, ou bien, c'est la tête. Je dis à la Kounala, et ou pour la Jean-Pierre. Même si tout dit ça, c'est que, parmi les citoyens, nous assisons en tant que monde pour le national, dans le monde. Même si tout dit ça, depuis la nouvelle moïse là, comparé à mon citoyen européen des gangs, elle dit, imaginez une question de parlement. De gens honnêtes ou qui sont en plus ou moins, ou pas même des. Elle dit totalement, c'est gang, c'est kidnapper, c'est droguiner, c'est voler, c'est net qui n'a pas de tuer le monde, tout net qui est toujours dans le parlement. Elle dit, si t'es vous montrez que la police, si t'es vous montrez que le musicien, parlement à ça, on existe comme député, l'aide qui est dans le parlement, comme dans le cachet, vous allez tous aller directement à la ministre. On est en loin, puis on est député, même pas en vieux temps. J'ai tout dit à la demi, depuis le janvier 2020, le président Jovenel Moïse, il est caduque. Avant de faire le Sénat, il faut y aller, et bien, il est content de la justice du Parlement, il faut y aller, sortant des atouts, bon, kidnapping en rage, dès qu'il est venu pour le président Moïse. Même président de la Roumanie, là, il n'y a plus de nous poser. Je dis, l'autre des apostoles qui comptent ici, en dans les villes de l'Union et les musées, nous avons kidnappé une nation qui n'est pas même contrôlée, jusqu'à nos jours, et les gens nous viennent plus mal. Là, je dis, on a posé une question par rapport avec les parlementaires des États-Unis. Est-ce que, et non seulement, nous avons validé Joseph Lambert et Yves Latondu, mais il y a l'autre parlementaire, pour arriver sur le tout. Il y a le parlement de l'Ordre, pour que l'Université, Joseph Lambert, il a sorti, c'est ça, nous faisons des balous, mais il y a le gros poisson là encore, il y a le gros requin là encore. Ok, Joseph là, vous pensez que le pays a de l'Alonsou? Là, nous connaissons les jeunes garçons, on les nous créer l'université, on les nous créer l'école professionnelle, nous prenons comme ça, nous gaspillons l'ancienne dame, pour gaspiller la vie monde, pour empêcher de gaspiller le pays. De quoi vous pouvez avoir une bonne pension, de quoi vous avez une chambre de pays, eh bien, je dis à tout, parce que, faut que commencez à attaquer des gens. Oui. Voilà, Salomon Napmando, bonne minute, Salomon avec Elainol. Et mesdames, messieurs, vous connaissez ce certain, n'ont pas pris trop longtemps quand même. Mais nous avons une surprise pour nous, Jacques nous te promet tout. Et nous avons salué confrère nous, Stanley Lucas.
Et parce que ça qui a passé avec le pays là, c'est faut nous essayer de comprendre, faut nous parler avec monde qui a connaissance, qui est capable de bannir une lecture qui est claire et nette et précise. Ouais, et j'ai dit à Léonel, quand j'ai dit aujourd'hui là, faut que nous allions dans le sommet des députés, on a regardé en dans le sommet des députés, combien de tout a volé en dans le Parlement, nous avons kidnappé, qui a préparé l'élection. Nous avons regardé dans le Sénat encore, combien de nègres ont déjà encore. Et on a étudié des bouts à l'île de préservation, on a une preuve. Et je dis là, moi je parle de ce qui est preuve par rapport à des nègres qui étaient majorité des députés, majorité des députés et nationaux. Sincèrement, il y a eu des chefs, ils ont eu une porte de la classe élite, ils ont augmenté, ils ont alimenté le plus. Au lieu de craser, vous êtes une exactitude. Qui est dans le nom de l'eau, ça a fait, je tiens mes olas comme quoi, l'air de dans l'élection de l'utiliser. Et mes jours, j'aime combattre la tournée dans mes olas. Dans le Zapmel là, en prison, je dénonce les Flandais, trois points, le pas mes sacs à nous, l'ordre de la Tibonite là, en prison, dénoncer lui la tortue, par rapport à Vécan et relation qui avait été générale, je dis, papa, c'est un sénateur là.